Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nail art et comme je pars en vacances, je trouvais qu'il était très approprié. Donc je vous explique, je pars en vacances dans le sud de la France, je retourne chez moi en fait puisque je vous rappelle que j'habite dans le nord mais qu'à la base je suis du sud de Montpellier pour être plus exact. Donc du coup je vais traverser la France en voiture et je me suis dit pourquoi pas un nail art map. Je vais être honnête avec vous, je suis hyper excitée parce que je rentre chez moi en fait qu'une seule fois par an. Donc j'ai vraiment hâte de revoir ma famille et mes amis. Voilà, j'ai trop hâte. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas en plan. Je vous prépare des vidéos pour toutes les vacances. Donc toujours une vidéo par semaine, ça ne change pas. Et puis vous me reverrez en live à la rentrée. Donc voilà, je vous ferai peut-être un vlog vacances en musique à la rentrée, pourquoi pas. Je ne sais pas encore, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse surtout parce que je ne vais peut-être pas le filmer si ça ne vous intéresse pas. Donc je vais maintenant vous parler du nail art. Et en fait, pour réaliser ça, il vous faut des feuilles de tatouage. Donc je vais vous expliquer dans le tutoriel comment appliquer ça, comment ça marche. En tout cas ça vaut vachement le coup, je vous mettrai le site où je les ai trouvés en barre d'infos. Mais j'ai payé ça et donc dedans il y avait 11 et j'ai payé ça 1€ et quelques, je sais plus, moins de 2€ sûr. Donc franchement ça vaut carrément le coup. Donc voilà, je vous montre ça en vidéo et pour tous ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Ciao. Donc pour commencer je prends ma feuille de tatouage. Et j'essaie d'évaluer pour faire 10 morceaux qui correspondent à la taille de mes ongles. Et je viens ensuite couper. Une fois que j'ai mes 10 morceaux, j'applique une base pour protéger mes ongles. Puis j'applique un vernis blanc que je vais bien laisser sécher. Je prends ensuite un rectangle de tatouage et j'enlève le film plastique. Je plonge mon rectangle dans l'eau à température ambiante pendant 10 à 20 secondes. Je le retire de l'eau et j'ai ensuite deux parties qui se détachent. Donc je viens garder mon design et je l'applique sur mon ongle en pressant. Pour le maintenir en place, je prends un mouchoir, vous pouvez également utiliser une serviette éponge et j'appuie dessus pour le sécher. Pour le coller, j'applique un top coat et je viens enlever ce qui dépasse avec un pinceau et du dissolvant. Je vous montre de plus près ce que ça donne, donc je détache ma feuille, je l'applique. Je voulais également vous montrer qu'elle est repositionnable tant qu'elle n'a pas été séchée. Donc je la sèche ensuite avec mon mouchoir et je la colle avec mon top coat. Pour enlever ce qui dépasse, vous pouvez également utiliser un bâtonnet de buis ou un repousse cuticule. Et voilà, à la prochaine !